Bonjour Périnel, bonjour tous les amis qui ont fait le journal là matin. Moi, je voulais commencer, guerrier, pour moi, remercier toute politique et tout le monde dans l'organisation des droits humains qui portait solidarité à moi avec la décision que Abinadel fin prend. Et mais particulièrement de monde que je suis d'accord avec eux et de monde qui, je dis, on en bataille avec eux. Par exemple, président PHTK qui s'est limé, tout le monde connaît, différences politiques que nous gagnons ensemble depuis Agoué Lamour, président Jovenel Moïse, c'est lui-même qui était premier dit pour me barriter, puis on va l'élection à coin. Donc, tout le monde connaît la qualité de différence que nous avons avec Lune Balthazar, mais elle a été exprimée clairement pour le côté solidarité à point. On a vraiment apprécié ça. Tout le monde connaît, moi-même avec Yuri Latortue, sénateur Yuri Latortue, nous pas dans le même camp politique, et toute différence que nous avons avec Yuri Latortue, l'hypothèse solidarité à point après la décision ça. Tout le monde connaît Pierre Espérance, et moi, dans le camp politique, et que lui-même était une position par rapport à l'administration Jovenel. Mais vraiment, moi, apprécier niveau et solidarité, et M. Pierre Espérance, et Abel Descollines, vraiment un pile monde, et tant qu'on ça doit aussi dans le journal, il y a un paquet de monde qui portait solidarité à point. Donc, moi, vraiment, et apprécier ça. Et parce que moi, je crois que dans des moments comme ça, il faut nous transcender le clivage politique. Il faut gagner des dimensions d'homme d'État et m'apprécier la dimension d'homme d'État. Et Yuri Latortue, sénateur, Lune Balthazar, président parti politique, Pierre Espérance, qui est leader ou bien le monde qui est en tête pour l'organisation des droits humains, Abel Descollines. Et pour me citer ça seulement, mes réactions sont vraiment en pile. Je ne vais pas répéter, mais vraiment. Et nous-mêmes tout, et la radio que moi détendis, qui portait solidarité, c'est pas parce que nous sommes d'accord avec moi, c'est parce que nous sommes essentiellement d'accord avec tout ça maintenant comme bataille, mais et dans des moments comme ça, il est toujours important pour nous transcender les différences politiques, pour nous mettre le pays avant tout. Il y a des gens qui pas porter solidarité avec vous tout, et d'ailleurs, tu es tenté pour ton solidarité avec Moïse Jean-Charles, il rejette. Donc, c'est sûr que le pas solidaire avec vous, tout dans la situation ça. Donc, comment vous trouvez le monde qui pas solidaire avec vous? Bon, c'est toi, sénateur Moïse Jean-Charles. Et sénateur Moïse Jean-Charles, il y a une bataille à faire dans le pays que tout le monde connaît. Pas rien de monde qui est capable de reprocher sénateur Moïse Jean-Charles les liens avec gang. Moi-même, je ne connais pas ça. Et moi, je pensais que le journal là, les fonds erreur qui étaient calculés. Moi, j'ai fait un tweet dans environ une heure combien, après. Et pour me demander, le journal là, retirer photo, hein, parce que moi, je connais que la décision Abinadel de Brun et Moïse Jean-Charles Patladan, sénateur Patladan, et moi, c'était important pour me demander et retirer photo. C'est ma première fois, nous tous connaissons depuis me faire un tweet, sous question dominicaine, c'est toute République dominicaine qui est informée à temps, et que le journal, ça a demandé plusieurs interviews, et beaucoup bali. Donc, moi, je connais tout de suite, depuis me faire ça, et je tape, et sénateur Moïse, il me fait tout, il y a trois heures de temps, ouais, mais c'est pas ça qui est grave. Ça qui est important, c'est que je retire. C'est moi-même qui fais retirer. C'est pas moi-même, c'est lui-même. L'essentiel, je retire. Moi, ça, les décisions. Hein. Et moi, je pense que c'est pas une décision qui est isolée que je n'ai pas prendre pour mettre sénateur, photo-sénateur. Hein. Moi, je pense qu'il participe dans une démarche systématique pour dénigrer leader haïtien pour dénigrer mon gars bataille. Donc, moins cool que ça. Mais on peut faire solidarité là, pour sénateur a été accepté. Moi-même, j'ai fait solidarité avec Haïti. J'ai fait solidarité avec un ancien sénateur pays qui engagé en bataille pour le bien-être pour le pays. Et moi, c'est ça qui est important.
moi mettez moi pas regrette et si ça vous produit encore moi pour reporter solidarité avec sénateur Moïse parce que moi crois que lui méritait ça et c'est pas un petit sénateur c'est pour moi un bon sénateur et on bataille la fin d'un pays hein. C'est parce que sénateur après la mort Jovenel Moïse était allié avec Ariel contre moi qui fait que je dis hein, si les mains en situation pour ne pas porter solidarité à lui. Donc, qu'est-ce qu'il recevoir solidarité ou pas recevoir, son solidarité envers un sénateur, envers le pays, envers quelqu'un qui lui-même les gagne en ligne de la bataille, quel que soit pour faire le boucher ligne, authenticité ou pas, mais c'est un sénateur, et c'est un sénateur que tout le monde connaît, qui est engagé dans la bataille. En question personnelle, que Joseph et Kissa Sadio, le fait que Dominique Eo metto sous on liste qui gagne une douzaine bandits comme personnalité haïtienne qui n'est pas autorisée fouler sol dominicain. Ok, le différent c'est gagné peut-être. Moi-même, moi, j'étais ministre d'affaires étrangères. Mais en vrai, j'étais ministre d'affaires étrangères. Moi, j'étais professeur à l'université. Moi, c'est lié dans une université aux États-Unis importante. C'est-à-dire que ces actions, ça ne va pas intimider, parce que moi-même, j'ai un réseau qui est assez large. Et moi, je connais ça, son mouvement désespéré de la part d'Abinadel. Et donc, moi-même, je ne vais pas aller plaigner sur ça. Parce que, pas oublier, non, moi-même, j'ai demandé de retirer photo et sénateur Moïse, c'est parce que non, on n'a pas figuré dans la liste Abinadel-là. Ça veut dire que son erreur, mais son erreur calculée, parce que je n'ai pas fait. Donc ça veut dire qu'ils vont amalgame. Le film était non loin et non arrêté présidentiel. Et puis il y a le non sénateur Moïse qui baguait à un pour le arrêté présidentiel là. Écoutez, moi-même, je n'ai pas demandé pour y retirer le nom. Faut que c'est clair, oui. Je n'ai pas demandé pour y retirer le nom, non arrêté présidentiel. C'est droit pays. Ça me m'a capable de moi-même ma bataille contre les racistes. Les ultranationalistes dominicains qui croient qu'ils sont capables de faire Haïti tourner un petit lac de la caillou politiquement et économiquement. Bataille, ça va dater, je vous dis, elle est datée depuis qu'il est rentré dans l'administration président Jovenel Moïse. Et de fait, il va dater là, datée depuis qu'il est dans le mouvement étudiant. Moi, bien, moi, très cohérent dans la question bataille. En plus, moi-même, à l'université, moi, enseigné même de cours qui ont avec race et politique publique. Donc, pas aucune action à prendre là, qui vient ouais, avec bagaille sérieux, qui c'est des bagailles qui au hasard, ou bien qui est improvisé. Donc, moi, gagné de doctrine que nous suivons, moi, quoi que je dis à Haïti, pas faire tourner arrière pour aucun pays, et moi, prends position de façon systématique. Maintenant, pour ça, qui vient ouais, avec sanction pour ne pas rentrer en République dominicaine, moi, j'ai bien interdit de rentrer en République dominicaine depuis avant, parce que moi, connais qui sa conséquence en tapis. Et donc, j'aimerais dire, interdiction pour m'entrer en République dominicaine, on ne peut pas considérer comme une sanction son honneur, parce que c'est parce que m'a dénoncé abus contre Haïtiens, c'est parce que m'a dénoncé Abinadel qui a un problème dans le pays, qui n'a pas de niveau, mais l'a positionné en leader région, il a cherché sympathie conservateur et ultranationaliste dans le pays dans des moments électoraux. On a dénoncé injonction. Il fait ce gouvernement haïtien pour ne pas prendre prise sur rivière Massacre, prise d'après irriguer 3000 hectares de terre dans Bapel-Maribaou, dans le département nord-est, pour permettre aux paysans de aller au souffle. Donc si c'est pour ça, moi si une condamnation, moi déjà condamné, mais j'aimerais dire, c'est un honneur pour interdire de rentrer en République dominicaine, c'est pas une sanction. Parce que ça va intimider bataille moyenne, bataille contre l'internationalisme. Bataille que nous avons fait contre le président Abinadel et les dirigeants sahéliens qui croient que je suis capable de faire Haïti tout l'intérieur pour nous, si la coude est la caillou. Donc, et moi, remercier des milliers, milliers, vraiment des milliers haïtiens qui vivent en République dominicaine, haïtiens qui vivent aux États-Unis, en France, qui sympathisaient avec bataille. C'est ça, nous allons finir Claude Joseph, bien sûr, leurs questions, Lydie et puis Johnny, mais. Je pose une question ça, et vous présentez dans l'opinion comme un nationaliste, pas un nationaliste à moitié, un monde qui estime bataille ou a mené contre Dominique ou pour mauvais traitement, il a fait haïtien, il a subi différents comportements gagnés de Américains, côté
ou dit ou t'es enseigné comme professeur dans l'université. Notre recherche nous fait, nous est le haïtien ou tapé traverser frontières et Mexique là, et gain de policiers, agents et garde corps, en fait agents frontaliers qui t'a battu, ou t'es ministre des Affaires étrangères dans le moment, qui comportement t'es gagné, qui se pose. Merci Pierre-Renel. Si vous continuez la recherche là, vous pourrez effectivement, pendant que le ministre des Affaires étrangères dans le moment ça, m'envoyer un ensemble de diplomates aller en bas pour moi à l'accompagner mon lieu. Et mon ça a été accompagné mon lieu dans tout le processus là. Il fait des interviews dans ma GPF pour lui expliquer mes côtés. Il fait des tweets dans la même recherche là pour nous regarder. Il fait des tweets que you là, c'était un consul général qui sort d'Atlanta, un autre qui sort de Chicago. Puis tu es toujours là, moi bien, moi en plus, monde pour commencer à partager. Il faut nous dire que le monde qui a fait ça, il y a une mémoire sélective, mais la bataille à faire, c'est une bataille politique pour eux montrer qu'effectivement, moi-même, il y a des côtés où on n'a pas envie d'aller dans la bataille. C'est faux. Récemment, l'université Oxford a invité dans une conférence. Mais dans la conférence, moi, j'ai participé dans un show, une émission qui est plus puisée, une émission politique qui est plus puisée dans le monde, il y a les Hot Talks au BBC. Et là, mon proposition claire, à côté, moi, dit, traitement que les Ukrainiens par rapport à Haïtien à Junio sont traitement de poids de mesure de la part des Américains et les gains ont facteur race là-dedans. On a dit émission là. Mais moi qui ai une mémoire sélectif, ils n'ont pas gardé bagaille ça, ils ont fait une bataille politique contre moi. Et c'est une bonne guerre. C'est une bonne guerre dans la démocratie. Et l'opinion publique là parfois c'est forger contre tout. Donc, mais c'est à nous-mêmes qui pour clarifier à chaque moment un ensemble de divergences, un ensemble de points qui est important. D'accord. Monsieur Joseph. Ça n'est pas mal, il n'est pas gagné. Il n'est pas capable. C'est depuis le fin du gouvernement que c'est là, il n'y a pas gagné. Il n'y a pas gagné. Il n'y a pas gagné. Parce qu'on est historien, il a écrit. Parce que c'est quelques moins, évidemment, dans le secteur diplomatique qui connaît en pile position. Alors, pour m'ajouter, devant Nations Unies, devant le Conseil de sécurité, dans le moment ça, nous déploie des positions, et nous exigeons des Américains, particulièrement de nouveaux responsables hémisphériques et des États-Unis, des excuses publiques et des faits excuses publiques par rapport à traitement de Haïtien. Monsieur Joseph, c'est qu'il ne va pas aller chercher, mais il n'y a pas oublié que depuis la République dominicaine, et les noms dit affaire nous tourner arrière pour lui, il a fait nous tourner arrière pour lui. Il y a une série d'agents là, qui sont des gens qui sont puissants. Au niveau du secteur économique là, ouais, c'est par exemple des gens dans le secteur économique là, à Fouabem, qui essentiellement était à l'Union dominicaine. Ouais, donc, c'est des gens qui essentiellement travaillent pour l'Union dominicaine, ou bien qui investissent, puis il faut savoir gagner en République dominicaine, mais il y a plus de la langue ici. Ça veut dire que... Monsieur Joseph, pour nous capables de finir... Le système, dans son système qui est assurant et sous capture. Donc, on a eu, il y a fait un peu là, il y a problème, il y a Brasil, mais il y a investi. Monsieur Joseph, oui. On a eu, il y a des positions par rapport à moi, il y a des positions par rapport à bataille. Claude Joseph, en question avec Lydie, et puis Johnny, pour être capable de finir. Oui. Et Claude Joseph, il y a des gens qui ont sorti, il y a sorti électoraliste, il y a un monde qui est un potentiel candidat. Si oui, ou son candidat pour qui passe, est-ce que vous avez des charges? Merci à Pélédie. Et sur la question vraiment sensée, moi je mets un peu le côté. Mais depuis que vous avez discrédité messager, pour messager, vous avez attaqué messager. D'accord. Et puis on dit que messager dans des marchés, sont des marchés intéressés. D'abord, c'est vrai que c'est une démarche intéressée pour mon pays, pour l'honneur d'Haïti, pour la construction d'une Haïti à la dimension de sa glorieuse histoire. Et donc, c'est-à-dire que j'aime surtout là tout à l'heure et il dit, c'est depuis le moins pour faire contrer votre président Jovenel Moïse, mon point de position, pas bien que moi j'étais allé en République dominicaine, mais on a rencontré avec Abinadel, on était dire que s'il veut une bonne relation avec nous, même si je ne veux une relation avec nous, il faut que les suspendre dans le discours officiel avec narratif négatif sur Haïtien. Ça veut dire que si on parle Haïtien Haïti mal, pareil, ça prend dans la République dominicaine, ultranationaliste. T'es demandé pour déclarer une personne non grata. Pendant que ça fait déjà, et vous avez presque fait ça, effectivement.
pour déclarer une personne non grata. Et là, nous parlons vraiment en 2020. Donc, pour m'expondre que c'est le début de faire commencer, il est ça. Je ne suis pas président de l'Union Moïse, je suis candidat à la présidence. Donc, c'est faux. D'accord que les démarches sont des démarches électoralistes, pour qu'on ne connaisse pas vrai. Mais ce qui est important, c'est que moi, j'ai un droit pour me décider. Moi, je suis ministre affaires étrangères, moi, je suis premier ministre. C'est-à-dire que vous pas candidat, vous pas candidat. Candidat à l'élection, mais c'est pas ça. Monsieur Joseph, ça veut dire que vous pas candidat. Allô? Par contre, si vous attendez, moi, est-ce que vous attendez? Une seconde, Lady Vedou, est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas candidat à la présidence, selon sa candidature? Non, moi je dis que ce n'est pas ça qui est vraiment intéressant de dire. Ça qui intéresse, c'est le combat que moi-même a fait. C'est ça qui est plus important pour moi. C'est même pas ce message-là qui est important que le message a. Et tout à l'heure, moi, on a fait un exercice assez intéressant avec les deux petites Dessalines. Et moi, côté Haïti, là, nous pas qu'à vraiment dans le noir. Nous sommes capables de dire mon arrogance, et si ce n'est pas eux-mêmes, c'est le néant. Moi-même, je pense qu'il y a un peu de monde qui est mieux qualifié parce que moi, je pense qu'on n'a pas quelqu'un monde là qui a travaillé longtemps qui est mieux qualifié parce que c'est un candidat à la présidence. Moi, je pense qu'il y a un peu de monde qui est capable de s'encadrement au besoin. Moi, je pense que le sénateur a déjà un peu d'encadrement et il était capable d'un bon président s'il est un peu d'encadrement. Donc, moi, par contre, que c'est moi-même ou bien rien du tout. Moi, je pense que c'est ça que fait pour remonter dans une dynamique parti politique. C'est parce qu'en Haïti, vraiment, il y a des hommes partis, il n'existe pas vraiment de lieu de parti politique. Parce que les la campée parti politique, là, c'est lui-même et c'est lui-même seulement. Donc, ça les jeux dire, nous avons besoin de partis politiques qui ont des conditions d'émergence pour les jeunes entre la naïve. Nous avons besoin de partis politiques côté que le leadership à ce table-là, ou pas jeune tout leader régional lui-même, chita sous table-là avec eux, il a fait des conférences, etc. Et encourager et vraiment féliciter tout parti politique qui est dans la dynamique ça. Deuxièmement, il y a un pile effort à faire dans AAA, on est dans l'argent, on est dans un pile parti politique, a fait de gros efforts pour animer la vie politique en société, à nous encourager eux, pour lui nous cracher sur effort. Merci un peu, Dr. Claude Joseph, nous sommes contents de parler avec vous. Sous bénédiction Saint-On avec Edmond Jean-Baptiste, d'après trois correspondants.